كانت أطلس التي جاءت لتشارك نور الدين عملية تصوير آخر أعماله وتستمع إليه وهو يتحدث عن مسار حياته الشخصية والمهنية منذ سنوات حتى قبل العمل، أي منذ سنوات الدراسة. Réalisateur, je suis aussi producteur. Ici, en fait, on est sur le dernier court-métrage que je produis qui s'appelle X65ES de Huytenhoven de Thierry. Il parle en fait du mal en fait, qu'on vit en ce moment en fait, de la société et on se projette un peu dans le futur en se disant que on a du mal en tout cas à croire que ça va se passer en fait, de mieux en mieux, mais plutôt de pire en pire. Et du coup, en fait, on imagine que les États, en général, vont créer en fait une espèce de section qui va s'occuper en fait de toutes les personnes en fait qui sont retraitées, qui sont pensionnées, qui coûtent de l'argent en fait à la société, qui ne participent pas collectivement à l'évolution de la société, que ce soit au point de vue économique et tout le reste. Et du coup, donc, l'État va créer en fait une espèce de section qui va s'occuper en fait d'éliminer en fait toutes ces personnes qui ne servent plus à rien à la société. Je suis à la base en fait plutôt réalisateur. Et ici, en fait, depuis que j'ai fondé ma deuxième boîte, ben, j'ai un peu plus le rôle de producteur, un peu plus souvent qu'avant. Et sinon aussi, je touche un peu aussi à l'image, je fais aussi un peu de post-production. Et voilà, tout dépend un peu des projets dans lesquels je suis appelé. ونور الدين اشتغل بالمجال السمعي البصري أو مجال السينما منذ أن كان مراهقا، وله احتكاك واسع بهذا المجال حيث اختار أن يستمر في العطاء والعمل دون التفكير بالعمل في مجال آخر. C'était en 92, en 92, où j'ai fait la rencontre en fait de mon meilleur ami qui s'appelle Farid Metivi. On s'est rencontrés en fait sur les bancs d'école, tout simplement, et on s'est découvert en fait une passion mutuelle qui était le cinéma en fait et les arts martiaux. Et donc voilà, et du coup on a décidé petit à petit de commencer à faire quelques essais en fait avec une caméra. Et voilà, ça nous a tout de suite fait enthousiasmer. On a continué, on n'a jamais en fait lâché. Quoi. Donc voilà, et on a tourné pendant toutes ces années jusqu'à encore maintenant plein de films, de démonstrations, de combats, de reportages, de tout ce qu'on veut, tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. C'est vrai qu'au début, en fait, on était un peu mêlés, on portait beaucoup plus de casquettes que maintenant, parce qu'à l'époque, on était vraiment, on travaillait sur une base équipe, une équipe ultra réduite. Donc en général, on était les deux cerveaux, on va dire, de l'affaire, voire trois à un moment donné. Et c'est vrai qu'on s'occupait un peu de tout, on s'occupait de la déco, on s'occupait du maquillage, on jouait nous-mêmes les rôles, en fait, les rôles principaux ou les rôles secondaires, c'est nous-mêmes qu'on les jouait. Moi je me souviens très bien dans un des films, on a même dû jouer en fait plusieurs rôles différents, on se grimait, on se déguisait, parce que justement à cette époque-là on n'avait pas trop de contact avec beaucoup de comédiens, du coup on était obligé un peu d'être au four et au moulin en même temps. Et donc voilà, et puis bon, il a fallu quelques années avant de pouvoir déjà d'une part s'armer d'expérience et pouvoir être un peu plus conscient de ce que c'est réellement le cinéma et de comment ça fonctionne tant au niveau technique, au niveau de la mise en scène, etc. etc. Et puis en fait, fil en aiguille, on s'est chacun trouvé une spécialisation. Moi j'ai fait donc je fais de la réalisation, je fais aussi beaucoup de montage, donc beaucoup de post-production. Du coup moi j'étais plus cadré dans cette case là et donc voilà, et maintenant je porte un peu plus le côté production en ce moment. On a notamment produit quand même pas mal de courts-métrages ces deux dernières années. تضحيات كبيرة قدمها هذا الفنان السينمائي المخرج، ولا زال قادرا على العطاء والاستمرار في عمله وإنجاح مشروع الشركة التي يديرها هنا في بروكسل. J'avoue que je suis fort attiré par tout ce qui est thriller, espionnage, un peu film d'action, et aussi beaucoup par tout ce qui est film dramatique. J'ai du mal en fait à imaginer qu'une histoire puisse se terminer bien. Tu vois, un peu à l'américaine, tu vois, même si je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait parce que voilà, dans certaines histoires, c'est difficile
écrit un peu le contraire, mais j'aime bien donner le côté, comment dire, le côté, ben, il y a cette solution-là, mais il y a aussi cette solution-là. Et souvent, c'est vrai que c'est la solution, oui, tout se termine bien, les happy end, les compagnies, qui sont à un moment donné un peu gavantes. Et ben, j'ai toujours aimé vraiment ce côté dramatique, ce côté où il y a vraiment un déchirement, de mettre le spectateur, en fait, vraiment, essayer de le surprendre, on va dire. Le cinéma, ouais, il est primordial dans ma vie, parce que, voilà, j'en fais depuis tout jeune, depuis que je suis adolescent, des films anglais, voilà, j'ai rencontré pas mal de monde, etc., etc. Donc j'ai vraiment été toujours baigné, en fait, là-dedans. Et pour te dire, mon premier job étudiant, j'ai travaillé sur un film. Voilà, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de... On tourne X65ES, qui est mon nouveau court-métrage, avec Ben Arles et Brigitte Bouveau. Et donc voilà, c'est la première journée de tournage, ça a l'air de bien se passer, et on est prêt à attaquer les jours suivants avec beaucoup d'enthousiasme. Ben, en fait, avec Noon, on s'est tous les deux fait avoir par un autre réalisateur, en fait, qui préparait un soi-disant long-métrage, et... Moi, il m'avait pris dans la production sur ce tournage-là. Nous, on était là comme chef-op. Nous, on s'est rencontrés là. La première feinte qui m'a lâché, c'était « Pourquoi ce pull bleu ?» Et ensuite de ça, ça a vite collé entre nous. On s'est bien entendu. Et puis un an après, on a créé Nous. Ça dépend des projets. Il y a sur des projets, c'est lui qui est réa. Moi, je m'occupe plus de la prod ou que je suis assistant réa. Toutes les productions de tous les tournages, ben, il y en a certains où moi, je suis plus dedans. D'autres, c'est lui qui gère plus. Mais à chaque fois... On se voit, on en parle et là par exemple aujourd'hui je suis Réa, donc lui il gère toute la prod, directeur de prod et producteur du court-métrage. Parfois c'est moi pour lui. Je le trouvais déjà surprenant au niveau du montage, au niveau parce qu'il se connaît, c'est un geek.